Téléspectateurs HPM, bonsoir. Bonsoir PDG Abner. C'est un plaisir pour nous présenter toute actualité nationale qui a déroulé sous territoire pays d'Haïti depuis Port-au-Prince, République d'Haïti. Voix PAM, c'est Lalan Fritz, nous disons bienvenue sur HPM TV. Information qui a tchatchakol sous territoire pays d'Haïti, moins de 72 heures. Après, président Alexandre Boniface, t'as fin déposer rapport, t'as fin recevoir rapport commission qui t'est penché pour aller toucher chaque secteur sous nouvelle proposition Constitution 2021 pour organiser référendum. Président commission, ça, Alexandre Boniface, il te fait éloge à tête li, parce que tu es ancien président Cour cassation, juge, et en même temps, c'est un avocat. Et il te fait éloge pour te dire qu'il a assez de maturité pour t'amener la commission ça, pour que lui-même avec l'autre membre, c'est deux monde qui devine penser pour l'autre Haïti. Et il te fait appel à la jeunesse. Pour le dire, il y a 52% de jeunes sur tout le territoire qui n'ont pas de chance pour être sénateurs et députés. Et même, et fois ça, il y a toutes, il y a même possibilité pour faire et que c'est yo pendant chance la passée pour profiter pour elle. Président, ancien président Alexandre Boniface, qui parlait de nouvelle constitution, il y a un observateur qui a demandé. Est-ce que le président Alexandre Boniface, par lui-même, il y a un monde qui prend la Constitution, Constitution 87, que lui-même, il vient, bah, écoute, mais pour changer. L'AOT a fait allusion à président Cour cassation à l'époque 2004, qui était accepté trois pays amis mettre tête ensemble pour venir faire un enlèvement au président avec Zaman Main. Et il y a un article dans la Constitution, ça, t'es pas de bail droit à étrangers pour piller sol pays d'Haïti. Et peuple souverain pas invité. C'était Cour cassation avec monsieur ravisseur international, à savoir les États-Unis, la France, avec le pays Canada, qui t'es arrangé en matière politique pour te venir racher, ils ont élu sous pouvoir. Renel a déposé dans un pays, pas même quand il d'approche de voile, qui était ses bangui. On lui parlait de Jean-Bertrand Aristide, président Cour cassation, qui était homme de loi, qui lui-même, qui fait partie du troisième pouvoir, qui c'est pouvoir judiciaire, il était accepté, lui, et en même temps, il était accepté pour le seconder, pour le accepter, prendre pouvoir, et même 90 jours, qui c'est deuxième phase de la Constitution, pas arrivé respecté sous. Présence Alexandre Boniface, juge Cour cassation. Constitution prévoit 90 jours francs pour 120 jours pour un président provisoire. Mais un président Alexandre Boniface te remet pouvoir ça, sorti 29 février 2004, il te remet 14 mai 2006. En bas, élection qui était sous assistance l'international. Avec yon sanitarele, yon invention qui te qui ont invention pour te faire décompte bulletin qui te qui lui-même qui te baille tête li non et centre de tabulation, mais depuis l'existence centre de tabulation ça en 2004 à 2006, chaque élection qui déroulait résultat toujours sorti dans yon autre centre qui est le centre de tribulation. René Garcia Préval pour le dernier résultat là. C'était sous fond de manifestation loc, crasé un hôtel dans Montana, habité devant Palais National, pour même résultat pas publié. C'était seulement un communiqué qui dit Préval élu. C'était sous l'obédience Boniface Alexandre. Idem pour élection Préval Matéli. Idem pour élection Jovenel Moïse et autres, toujours un problème dans la question résultat. En basse tribulation, ça. Président Alexandre Boniface, t'as exhorté chaque monde pour eux-mêmes, t'as marché vers nouvelle constitution et fait confiance
que ça le bail là li bon. Alors ça, nouvelle constitution ou bien constitution 87, est-ce que c'est lui qui problème pays d'Haïti ou du moins est-ce que c'est dans mentalité nous? Nous capable changer constitution sous constitution? Haïti déjà passé près de 23 constitutions sorti 1804 bout 2021 sans pas élucider dans chiffre là constitution 1801 rédigé par Toussaint Louverture avant enlèvement par la France le 7 avril 1803. Est-ce que c'est dans ça nous praler nous pas connait? Est-ce que n'a avancé nous pas connait? Mais vraie solution nous c'est pas changer constitution, c'est apprendre à appliquer constitution, c'est apprendre à respecter constitution, c'est apprendre à faire respecter constitution, c'est lui. Si dans mentalité nous pas faire éducation civique, éducation sous action avec devoir civique, éducation politique, nous fait carré à parler de ni ancienne ni constitution amendée ni nouvelle constitution. Quelques heures après déclaration ancien président Alexandre Boniface sous nouvelle constitution là, BINU qui s'est accusé numéro un comme organisation internationale qui représente les Nations Unies, qui lui-même gain plusieurs manifestations t'est organisées contre BINU, plus spécialement Madame Lalim, BINU t'a dans un tweet écarté li campé loin sous question référendum 27 juin 2021 pour Alvin là. C'est plus gros information qui a bail problème là sous territoire côté BINU fait un bac tant qu'au cribiche sous question référendum que le pas voulait dans ses collé à cli communauté internationale là pas jamais montré li pour une nouvelle constitution et pourtant dans mandat BINU gagné que Nations Unies bali à Conseil sécurité a question nouvelle constitution li té nan mandat pour qui tout travail ça fin fait. C'est le rapport à remettre BINU ralon bac. N'a pas rappelé pour vous que rapport ça a sorti seulement pour deux départements. C'est département nord-ouest qui gen pour chef lieu Port-de-Paix avec département de l'ouest qui gen pour chef lieu Port-au-Prince en même temps capitale République d'Haïti. Alors c'est comme ça question lui-même lui présenter jodi a BINU écarté li de question référendum qui a organisé après en pile menace, en pile soulèvement, en pile manifestation fin fait et c'est leur rapport ça fin présenté BINU ralon bac. Bac ça veut dire qui ça? Bac ça son bac coquin. Pour qui c'est après rapport fin sorti BINU ralé bac là? C'est juste que rapport ça a finalisé, travail ça a presque fini, il n'est que c'est constitution qui pour et à partir de référendum non, même là on nouvelle date à fait. Même là puisque nous connaît déjà Nations Unies, organisation internationale yo, yo était plus prôné pour ces élections pour faire pour parlement et que c'est parlement qui t'a loué travail proposition pour nouvelle constitution. Alors bac ça son bac stratégique. C'est pas un bac réel sous projet. Haïti mêlé en bas griffe monsieur Sao qui vient supporter nous quoi disant vient ba nous en assistance. C'est comme ça ça y est ici dans Port-au-Prince élève yo pas camper pour te marcher. Élève yo pas camper pour te marcher et j'en nous dit là yo te marcher dans Port-au-Prince et otage yo bon côté pa yo otage yo. Qui est-ce qui libéré là-dedans? La France t'a déjà dépêché commission sous territoire pour commencer enquête li et monsieur 400 Marozo yo dans une vidéo yo t'ai présenté sur réseaux sociaux t'a montré zame que yo gagné soldat que yo gagné pour yo même yo prêt à toute éventualité yo prêt à toute éventualité. Alors ça gen même information t'a fait quoi que monsieur même a fait recrutement pour des jeunes qui t'a voulu à le recruter comme soldat. C'est ça qu'a parlé dans la rue.
L'autre point qui fait parler en pile, c'est le premier ministre Joseph Jout, bon côté Pali, qui lui-même a déclaré c'est celle lui-même qui va gagner un petit bandit pal, petit groupe pal, à protéger ou bien petit groupe bandit pal. Mais il dit après lui-même, chaque monde gagne bandit pal. Est-ce que chef gouvernement, il parle à tout l'autre chef qui est dans l'État, à l'autre qui est dans la classe politique et secteur, qui est même dans la société haïtienne? Est-ce que la parle de chef qui a dirigé l'État, chef qui a dirigé le pouvoir judiciaire, chef qui a dirigé le Parlement, chef qui a dirigé chaque ministre, chef qui a dirigé chaque ministère, chef qui est directeur général, est-ce que c'est à tout lui parler pour le faire quoi? C'est seul lui-même qui va gagner. Groupe nègre armé par n'importe qui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que sa premier ministre dit à lui lave mel tant qu'on pense Pilate? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? En pile observateur, pas fin fait crédit à ça, premier ministre lui-même lui déclaré. Premier ministre rendit compte que problème en sécurité nationale, territoire pays d'Haïti, n'est pas aussi mince. Président allait dans le même sens là. Président a demandé concours tout le monde. Président a estimé que ça lui-même lui dépassait. Et président a déclaré la guerre à nèg k'ap vann katouche, à nèg k'ap vann zam. Type de déclaration ça yo, c'est pas pour la première fois président fait yo. Nous rappelons lorsque président est arrivé dans sa vie, il a déclaré que il pral mettre l'armée dans la Tibonite pour libérer paysan yo dans jardin yo qui prend en otage par monsieur groupe armé dans sa vie yo. L'armée était seulement coincé dans petit coin cité soleil là, nettoyer un terrain, mais on va jamais moins déploiement FADH dans la Tibonite. Président elle fait des déclarations, c'est des déclarations de guerre, mais à l'intérieur de lui-même, sous t'es capable de garder en dans soulier lui ou t'as garder pousse ou t'as pour la peser le fort tant qu'on nomme cap cementé. Même quand ça ne va pas faire, c'est l'il fait. C'est comme ça la situation en lui-même, il présente ici en Haïti. Entre-temps, un leader opposition t'a offert, t'a déjà bail 40 jobs à 40 victimes en Dambélair et gen l'autre lui promet pour bail assistance. Nous voulons parler de Major Jean AAA, sénateur, ex-sénateur Youri La Tortue. C'était avec plaisir pour nous être ensemble à coup, auditeurs, téléspectateurs HPM. Espérons retrouver nous pour un autre bulletin d'information depuis Port-au-Prince, capitale, Port-Saint-Principe. Vapam, c'est la Lanfritz pour HPM. Au revoir.